Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui au programme, une voiture mais surtout un pack, le pack ADAC GT Master 2015 qui débarque pour Race Room. Alors pas de réelle nouveauté dans ce pack, si ce n'est la présence d'une nouvelle voiture qui déboule dans Race Room. Donc c'est un petit peu un test d'une voiture dans son jus, dans son championnat, la Bentley Continental GT3. On va voir tout de suite ce que ça donne avec une petite course. Alors, je vous ai laissé profiter de ce départ ici à Zandvoort avec cette Bentley Continental GT3. Je voulais un circuit assez étriqué pour voir si... Elle ne manquait pas de souplesse et elle ne faisait pas trop pataude et trop lourde. Pour l'instant, c'est plutôt agréable. Avec la nouvelle physique implémentée au GT3. Dans Race Room, on n'en a pas parlé. Mais la physique a bien évolué et plutôt dans le bon sens. En tout cas, ces voitures sont un petit peu plus compliquées à piloter, un peu plus difficiles à tenir en courbe. On a quelque chose de beaucoup plus sur la corde. On entend l'arrière crisser. Et si des fois vous vous retrouvez avec l'arrière en travers, eh bien il est beaucoup plus compliqué de récupérer la voiture. Une fois que l'arrière dérape, on sent véritablement le train arrière de la voiture sur la corde de l'adhérence aéro. J'ai pourtant rajouté quelques clics à l'aileron arrière. Je crois que je suis passé de 13 à 16, quelque chose comme ça. Pour votre information, on est en boîte en H, on n'est pas à la palette. L'IA est à 110. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, mais j'ai très peur de mettre trop de gaz d'un coup et de me faire surprendre à la réaccélération. Pas mal de sous-virages. Si vous réaccélérez trop tôt, ça correspond bien au comportement de la voiture. Elle est fun à piloter. Si vous aimez piloter des GT, c'est une pure GT dans le comportement. Assez lourde, assez grosse. Très coulée dans le comportement. Vous ne pouvez pas attaquer et être en travers dans chacune de vos courbes que vous prenez. Il faut à chaque fois être très très tendre avec la voiture. Parce que si vous y allez trop fort, comme je viens de le faire ici... Eh bien, la sanction est immédiate. Et vous perdez beaucoup de temps. Très compliqué également de freiner quand la voiture n'est pas en ligne. Et on le voit devant avec l'Audi qui a fait un petit écart. On oublie également de réaccélérer sur le vibreur. Et on n'a pas l'opportunité de pouvoir jouer avec le train arrière de la belle britannique. Malheureusement,
il faut être très sage et très distingué à l'anglaise. Il faut être un gentleman avec cette voiture si vous voulez qu'elle fasse ce que vous lui demandez de faire. Toujours tendance à mettre la 3 un petit peu trop tôt ici. La 3 qui pourrait être un petit peu plus longue, elle m'aiderait beaucoup. Ici j'étais en survirage, j'ai perdu beaucoup de temps. La grande courbe, est difficile de faire tenir la voiture sur la grande courbe sans être victime de sous-virage. Ce qui n'est pas le cas sur les autres voitures à moteur avant. Et cette Bentley est plutôt agréable. Et j'ai vraiment la sensation en fait de piloter la voiture que je vois à l'écran quand je regarde le blanc peint. C'est-à-dire une voiture très sautilleuse. Mais qui ne manque pas de finesse. Monstrueuse mais assez tranquille. C'est assez paradoxal. Mais c'est comme ceci qu'il faut aborder cette Bentley. En tout cas, c'est très sympa à piloter. J'aurais bien aimé tester cette voiture sur Spa-Francorchamps. Ce que je ferai par exemple dans un prochain onboard, si j'en ai la possibilité. En tout cas, le pack ADAC, vous pouvez le retrouver dans la description. Il vous donne accès à 19 voitures. Et la seule nouveauté, ce sont ces deux Bentley. Alors, qui en plus d'apparaître dans la division ADAC 2015, apparaît dans la division GT3. Avec, je crois, 5 livrées différentes. Dont la superbe livrée des 24 heures de Spa. La voiture qui devait faire la pole l'année dernière, mais qui n'y est pas parvenue. Et on entend le train arrière en train de crisser. On sent vraiment la limite de la voiture et c'est très agréable. Il faut un petit temps d'adaptation parce que je n'ai pas le même sentiment derrière le volant que j'avais tout à l'heure. Lors de mes premiers tours de roue, puisque c'est le tout premier run que je fais avec la voiture. C'est ça aussi les découvertes. Ce sont des sensations à chaud sur le comportement des voitures. Et sur le tourniquet de Zandvoort, elle fait tout à fait le travail. Au niveau de la physique, puisque visuellement vous l'avez vu, vous le voyez sur les différents plans de caméra, la voiture est tout simplement parfaite. Au niveau des skins, c'est également impeccable. Au niveau du son, j'attendais quelque chose d'un peut-être un peu plus pétaradant, mais c'est très très bon. C'est encore un son bien différent de ce que vous pouvez entendre sur les différentes voitures de la catégorie sur Race Room. Bah écoutez, on va se faire une deuxième petite course avec cette voiture pour la tester dans d'autres conditions.
vous avez vécu le départ plutôt propre au passage ici sur le Red Bull Ring. Deuxième piste pour essayer cette Bentley Continental et ce pack surtout. Alors je ne vais pas m'attarder en pilotant les autres voitures qui composent cette saison ADAC GT 2015 parce qu'on les connaît bien. Ce sont les GT3 que vous retrouvez dans la catégorie qui était déjà présente, telle la Z4 ou l'Audi R8. Pas besoin de précision à ce niveau-là. Par contre, besoin de précision dans mon pilotage parce que là, j'ai été particulièrement mauvais. Et on ressent cette manière de sous-virer absolument constante. Et encore ici. Si vous commencez à être un peu trop agressif avec la voiture, eh bien, elle vous le fait payer directement. C'est vraiment ce que je ressens avec cette Bentley. Alors, qui n'est pas lourde ni pataude, elle est vraiment sympa. Maintenant, si vous avez le choix entre un pack ADAC GT 2015 pour la Bentley ou un pack ADAC GT 2014 ou 2013, sincèrement, si vous n'avez pas d'affinité pour... le paquebot britannique, eh bien, optez pour une version un peu plus ancienne. Ou alors, mieux que ça, si vous souhaitez simplement investir dans la voiture, n'achetez pas le pack ADAC GT 2015, mais bien simplement le modèle de Bentley, disponible également en GT3, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors ici, sur une piste, on est un peu plus en courbe. On sent que le train avant est assez compliqué à placer. C'était déjà le cas lors de Zandvoort, mais ici, on a beaucoup plus de courbes rapide et on sent vraiment le manque d'appui de l'avant et pourtant le moteur y est à l'avant. Ça devrait rendre l'entrée en courbe un peu plus simple, mais ce n'est pourtant pas le cas. Alors pour ceux qui me voient un peu moins enthousiaste que lors du test du championnat GTO, sachez que tout va bien. C'est juste que je suis un petit peu en train d'apprendre la voiture plutôt que de m'amuser, parce que ce n'est pas une voiture pour le fun, contrairement à la division GTO. Ici, on est vraiment dans la droiture du GT moderne. Alors, non pas que le GT est ennuyeux, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais on a une approche différente, alors qu'ici, on a une très bonne sortie face à la Z4. On voit que la Bentley, quand même, truste les premières places. Tout à l'heure aussi, à Zandvoort, elle était bien placée. Ici, nous sommes pour l'instant avec l'IA 2 et 3e de la compétition sur cette 1 ring. On va voir si on peut repasser ici en 2e, si ça aide à la relance. Ouais, c'est un petit peu mieux, mais évidemment un peu plus délicat dans le passage de courbe. J'ai peur de souffrir de sur-régime en repassant en deuxième. La troisième aurait pu être un peu plus longue. Je perds énormément de temps dans les enchaînements, vous le voyez. Mais là, c'est assez perturbant. On va retomber en 3 ici pour la descente. Voilà, ça glisse, c'est fun. Mais c'est du serious business. On ne peut pas se permettre de faire des folies avec, avec cette Bentley. Ouais, j'essaie de rester assez studieux. Désolé, je suis pas très expansif dans mes paroles. Mais en tout cas, une physique très agréable qui va en faire rager plus d'un. Surtout les personnes qui étaient habituées à la physique d'avant la dernière mise à jour de cette fin du mois d'avril. Qui a changé peu de choses au niveau de la division Touring Car. Mais en ce qui concerne le comportement des voitures GT, il y a eu énormément de boulot effectué. Et on a quelque chose de beaucoup plus sympathique au niveau de l'accroche des voitures sur le tarmac.
Ouais, la Bentley devant, qui, pareil que moi, a du mal à tenir. Vous voyez, le train arrière qui balade, c'est exactement la sensation que j'essaie de vous décrire. La voiture qui fait des vagues avec le train arrière, une perte de stabilité. Mais pourtant, ça ne l'empêche pas d'être performante. Bien au contraire, c'est une manière différente de piloter ces GT3 qui vous sera demandé. Fini de sortir pied à fond sur les vibreurs. Va falloir être tendre. Et en plus de cela, maintenant, les freinages vont s'avérer beaucoup plus techniques et compliqués. On va essayer d'aller chercher la petite sœur. Oh, ça va pas freiner. On n'aura pas réussi à freiner à temps. Ici, on a freiné un petit peu trop tard. On va les laisser repasser. On a été percuté un petit peu l'Audi, mais c'est pas grave. Alors là, ça aurait été difficile de passer. On va quand même essayer d'aller la gagner. Ce serait beau. Nous sommes maintenant la première Bentley du classement. Par contre, aller chercher l'Audi, ça va être compliqué. J'espère que vous appréciez un petit peu la bagarre qui s'est instaurée entre notre voiture sœur et Elodie de tête. Et voilà. Un nouveau tour couvert ici. Oh, Elodie qui est allée un peu au large. Vous voyez, voilà, une fois que les GT passent sur les vibreurs ou sur l'AstroTurf, elles ont une perte d'adhérence directe et c'est là où vous pouvez en profiter. Mais vous pouvez aussi aller vous faire piéger. La preuve, je viens encore d'aller percuter cette Audi décidément. On va vraiment croire que je lui en veux. J'essaie de créer une situation de dépassement propre. On va voir si on peut faire à l'extérieur. Vous voyez qu'en changement de trajectoire urgente, la Bentley sait faire la différence. Et on va même peut-être faire le doublé si ça continue, puisque la numéro 7 vient de passer l'Audi avec la manœuvre où je l'avais mise en difficulté. Mais l'Audi résiste, vous le voyez. Enfin, vous l'entreapercevez. Et non, l'Audi qui garde quand même la deuxième place. En tout cas, on est en tête. Bien tomber un rapport supplémentaire avec cette Bentley pour bien la placer en courbe. Et une fois que c'est compris, vous avez votre rythme de course. Bien voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire de cette Bentley qui vient bien enrichir le pack ADAC GT Master pour sa version 2015. Sincèrement, si vous n'êtes pas fan de ce genre de comportement, n'allez pas investir dans la voiture et surtout dans le pack complet. Si les skins ne vous plaisent pas, il serait plus intéressant pour vous d'acheter simplement la Bentley et quelques skins dans le mode GT3. Tout cela, c'est disponible dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette découverte en ma compagnie. J'espère que ça vous aura éclairé et que ça vous aura plu. On se retrouve très vite les amis pour de nouvelles aventures en piste. Merci pour votre fidélité. Ciao !